Ah, le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux, il est bon et pour ceux qui le connaissent, ce sera pour vous l'occasion de découvrir encore une fois de plus sa bonté. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, l'occasion vous sera aussi donnée de découvrir ce Seigneur qui agit puissamment dans les vies pour sauver, délivrer, guérir et transformer. Nous avons eu à écouter le témoignage du frère Soignon et son épouse qui ont eu à rendre ici à l'occasion de la 15e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales leur témoignage. Frère Soignon était possédé par une femme en esprit, ce qui lui a permis de connaître plus de 5 mariages et un manque de joie dans son foyer. Mais le Seigneur Jésus-Christ est intervenu afin de le délivrer de façon authentique de cette femme en esprit. Et s'il y avait de la peine auparavant, maintenant c'est la joie et la restauration du Seigneur qui domine ce couple. Ensemble, découvrons les merveilles et la bonté du Seigneur dans la vie du couple Soignon. Je suis le frère Soignon. Mon faisait des disciples, c'est le pasteur Timothée Upoyo. Le Seigneur m'a donné la paix. Le Seigneur m'a délivré. C'est ainsi que je suis venu devant lui pour lui dire merci. Il a délivré ma vie conjugale. Il faut dire que dans ma vie, j'ai eu 5 femmes. Chaque femme, si elle me donne un enfant, elle s'en va. Sans palabre. Quand je vais dans ma plantation, à mon retour, la femme est partie déjà. Elle a ramassé tout, elle est partie. La 6e, je l'ai envoyée. Nous sommes ensemble, mais des incompréhensions entre nous. Je l'ai dotée. J'ai parlé de mariage légal. Elle me dit qu'elle réfléchissait. Cette année, ça fait 20 ans. Nous sommes ensemble. 2021, je suis venu ici invité par mes filles. J'ai donné ma vie au Seigneur, à la CMCI. Après mon baptême, mon brisement de lien. Deuxième tour en 2022. Après la croisade, le pasteur Meunier m'a béni. Il m'a même payé le transport. Je suis allé. Dans ce transport, j'ai enlevé ma dîme. J'ai payé. Mais depuis ce jour, les bénédictions sont en train de descendre dans ma vie. Étant un chef de village, auparavant, quand j'ai détruit la forêt sacrée qui se trouvait au milieu de notre village, les doyens du village voulaient me destituer de mon poste. Mais présentement, après la bénédiction du pasteur Meunier, ceux-là, sans ma présence, ils ne prennent plus de décision. Même je commence à devenir un bailleur de fonds. Acclamation. L'année passée, j'ai invité ma femme à la CMCI. Elle dit que c'est même Dieu qu'on prie. Elle priait dans son église. Je prie à la CMCI. Je l'ai laissé le transport. Quand ma fille l'appelle, maman, quand tu viens? Elle dit demain, après-demain, juste quand j'ai fait les 40 jours ici, je suis reparti. Cette fois-ci, j'ai décidé de ne pas la laisser venir à la croisade. Quand elle me demande quand tu vas aller, je dis sans toi, je ne vais pas aller. Elle avait pour idole la chaîne Novelas. Quand j'ai prié, code j'ai mis. Dans ma TV, ça passait sur cette chaîne. Quand je ne suis pas là, elle ne regarde plus ce film. Donc, elle a préféré regarder RTVC. Jésus. C'est en ce jour, Jesus Christ. Le pasteur était rentré dans le combat
prière de combat. Elle était là. Le pasteur a dit prier après moi. Elle a commencé à prier. C'est là l'Esprit Saint l'a terrassée. Elle a crié. Elle est rentrée dans la chambre en criant. Elle a continué à prier. Quand, pendant 30 minutes, ça l'a laissé, elle m'a demandé quand est-ce qu'on va aller à la croisade. Oh, flot d'acclamation à Jésus de Nazareth. To Jesus of Nazareth. Jésus-Christ. Jesus Christ. Donc, nous sommes venus. Elle est même là. Viens, viens. Come. Viens, viens, viens. Come. Elle a fait sa repentance. Elle oh, frère d'acclamation. Clap of faith. La voilà. There she is. Transformée par Jésus de Nazareth. Transformed by Jesus of Nazareth. Son mari est un homme heureux. Her husband is a happy man. Des actions de grâce à Jésus-Christ. Thanksgiving to Jesus Christ. Avec des cris de victoire et de triomphe. With shouts of victory and triumph. Écoutons. Let's listen. Donc, hier... Donnez-moi deux livres. Elle a fait ses brisements de liens. À partir de ce moment-là, elle m'appelle chérie. Jésus-Christ. Acclamation. Clap. Voici ce que Jésus fait. This is what Jesus do. Voici ce que Jésus fait. This is what Jesus does. Cher invité. Beloved invitee. Il va le faire pour toi. He's going to do it for you. Chers frères, bien-aimés, brethren, chers sœurs, bien-aimés, Jésus-Christ, Jesus Christ le fait pour toi. Will do it for you. Deux donc, livres. Donc, two books. Le jour de son baptême, le 19, le jour 19, après son baptême, nous avons dormi. À 5 heures du matin, j'ai rêvé. Au moment où je rêvais, j'ai vu une femme qui me demandait la route à partir. La femme de nuit est partie. Elle me dit, tu t'es réconcilié femme. Écoutez, écoutez. Tu t'es réconcilié avec ta femme, moi je m'en vais. Donc, vous avez les oreilles. You have ears. À partir de ce moment, nous deux, on s'attend. En cause d'entendre. Jésus-Christ. C'est pour cela que je suis venu devant tout ce peuple pour dire merci à l'Éternel des armées qui m'a délivré, qui m'a donné la paix. Amen. Dis quelque chose, dis quelque chose. Dis quelque chose. Say something. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce que mon mari vient de dire. Il faut dire que mon nom, c'est Soignon Angela. Il faut dire que c'est le pasteur, lui, il est là actuellement. Il est clair, c'est lui tu parlais. Pour dire que toi, tu me suis actuellement, répète après moi. Prie avec moi, demande que le Seigneur prenne le contrôle de ton cœur. Et j'ai prié avec le pasteur. Ce jour-là, le Seigneur a pris le contrôle de ma vie. Je suis rentrée dans la chambre. J'ai commencé à dire le nom de Jésus, 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 Jésus. Et quand je suis sortie de la chambre, je lui ai demandé, mon mari, on va quand, as-tu quoi? As-tu quoi? Et là, nous sommes arrivés. Vraiment, il faut dire que, depuis, avant de venir aussi, j'ai dit au Seigneur, toute maladie tient en moi, les problèmes qui sont dans ma vie, je les laisse à Dieu quoi, pour venir à Miyagi. C'est ainsi que, vraiment, je vois que le Seigneur est en train d'opérer dans ma vie. Et je dis merci au Seigneur. Amen. Venez chercher le cadeau. Acclamation. Jesus Christ.
Le témoignage du couple soignant nous entraîne à prendre au sérieux la question des esprits de mari ou de femme des nuits qui agissent dans les vies pour troubler les hommes et les femmes. Mais le Seigneur Jésus-Christ est là, disposé pour nous libérer, nous délivrer de façon authentique. Ce témoignage qui s'ajoute à plusieurs autres témoignages témoigne de façon claire que le Seigneur agit et il n'y a que le Seigneur pour délivrer les hommes de la captivité de ces esprits aussi méchants qui agissent dans les vies. Frère Soignon a connu 5 échecs dans le mariage, chose qui n'est pas du tout normale. Lorsqu'il y a de l'instabilité dans les émotions, dans les sentiments, ceux-là sont aussi des indices de la présence de ses maris et femmes des nuits qui parfois ne se manifestent pas du tout, mais le résultat constaté doit nous entraîner à chasser ces esprits et le renversement des principautés personnelles et familiales est une arme puissante pour nous libérer de ces différents esprits. Il y a donc de l'espoir pour tous ceux ou celles qui souffrent de la présence de ces maris ou femmes des nuits. Le Seigneur Jésus-Christ est là pour les délivrer de façon authentique. Merci d'avoir suivi ce numéro des merveilles d'Atiekwa qui a relaté le témoignage du couple Soignon. Bonne suite des programmes sur la radio, télévision, Voix de la Croix, la chaîne de la Bible.